Notre langage ordinaire est agrémenté de formules et d'expressions imagées dont certaines proviennent des textes bibliques. Par exemple, en cette période olympique, on pourrait évoquer le commentaire sportif, il y en aurait beaucoup à dire d'ailleurs. Ça m'amuse toujours lorsque l'on dit de tel athlète ou de tel joueur ou de telle équipe dont les performances sont remarquables, qu'il ou elle marche sur l'eau. Ça fait évidemment référence à des épisodes dans lesquels Jésus marche sur l'eau. Il y en a d'ailleurs un où Pierre s'y risque avec plus ou moins de succès. Pierre dont on va parler aujourd'hui. Il y a de ces formules dans le texte que nous venons d'écouter ce matin. Il y a cette parole du Christ, « Passe derrière moi, Satan, arrière de moi, Satan. » Et surtout le fameux « Portez sa croix, portez sa croix. » La difficulté, c'est que ces formules dans notre langage véhiculent parfois avec elles des représentations qui sont bien éloignées de ce qu'elles veulent ou peuvent dire à l'origine. Des représentations qui sont parfois contre-productives et qui peuvent parfois même devenir nocives pour certaines d'entre elles. Et je crains que ça puisse être le cas de l'expression « porter sa croix ». Dans l'évangile de Marc, Jésus annonce trois fois qu'il va mourir. Vous savez que Matthieu et Luc, qui ont travaillé à partir de cet évangile, reprennent également cette triple annonce, enfin les auteurs de ces évangiles. Après la première annonce de la Passion que nous venons d'entendre, c'est la première, on se souvient en général de la réprimande de Jésus à l'égard de Pierre. Et on s'en rappelle les mots, pas tout à fait ceux que nous avons lus, mais « arrière de moi, Satan », on en connaît même les mots en latin souvent, parfois sans savoir qu'ils viennent de là, hein. « Vade retro Satanas ». Et oui, ce « Vade retro Satanas », ça ne vient ni d'un dessin animé, ni d'un film d'horreur. Il ne s'agit pas d'expulser le démon, mais c'est tout simplement une parole du Christ adressée à qui ? Adressée à quelqu'un qui vient de confesser sa foi. Alors, il arrive que les protestants se complaisent à souligner que cette parole s'adresse à Pierre. L'air de dire que nous serions moins concernés que d'autres pour qui la figure de Pierre a une signification plus particulière. Il le serait plus que nous. Grave erreur. Ce serait nous cantonner encore dans une situation victimaire peut-être. Nous qui venons de commémorer la Saint-Barthélemy, nous qui, enfin d'autres, sommes réunis ce matin à l'Assemblée du désert, au musée du désert, cette parole est-elle pour nous ? Quel est le propos ou le comportement de Pierre qui conduit Jésus à cette forte réprimande ? Il semble que l'apôtre cherche à détourner le Christ du chemin qui lui est tracé et qu'il annonce. Il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il meure et qu'il soit relevé au troisième jour. Pierre l'a reconnu comme le Christ, le Messie. Il sait qui il est, mais peut-être qu'il sait encore plus qui il doit être. Si nous sommes des lecteurs familiers de Marc, on peut se dire qu'on a compris, il reprend encore et encore ce refrain. Pourquoi ? C'est qu'il y a là, j'ai l'impression, le refrain de l'éternelle chanson de la maladie spirituelle qui peut nous guetter constamment, celle de définir une image de Dieu, notre image du Christ qui est normale et naturelle, mais ensuite de sommer Dieu de s'y conformer pour que nous puissions croire en lui. Et c'est un jeu constant de l'évangile de Marc
que de dévoiler qui est Jésus pour d'autant mieux le cacher ensuite, faire taire ceux qui savent. Alors c'est en particulier le cas dans les récits de miracles, mais ici aussi, ça ne manque pas. Jésus demande à ses disciples de dire qui il est, à leur avis, après leur avoir demandé ce que les gens disent de lui. Et Pierre répond, mais immédiatement Jésus leur ordonne de n'en parler à personne. Et il se met ensuite à leur enseigner pour dire qui il est, quelle est sa trajectoire. Et pour cela, il emprunte des mots lui aussi qui font partie du patrimoine, des mots de son patrimoine, il est juif. Et pour dire qui il est, il se sert des images et des modèles à sa disposition dans la tradition hébraïque, le Fils de l'homme. Une figure qui vient certainement du livre de Daniel et qui s'est développée à l'époque du Christ. Il utilise aussi une autre figure, celle du serviteur souffrant, qu'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe à plusieurs reprises. Cette figure du serviteur souffrant, elle deviendra fondamentale pour les premiers chrétiens qui chercheront pour comprendre qui est cet homme, qui est ce Jésus, pour comprendre qui il est, cet homme qu'ils ont suivi, cet homme qu'ils suivent, dont ils confessent qu'il est vivant. Ils scruteront les Écritures pour comprendre qui est ce personnage, qui est son devenir, quel est son lien avec Dieu, alors qu'il a connu une telle fin. Pierre fait la même chose en disant qu'il est le Christ, le Messie. Il reprend une idée de sa tradition. Et Jésus ne le dément pas, d'ailleurs. Remarquons que dans l'évangile de Marc, ce sont toujours les autres qui disent l'identité de Jésus. Et d'ailleurs, c'est lui qui leur pose la question, « Vous, qui dites-vous que je suis ?» Question qui est posée à chaque lecteur de l'Évangile, et donc à nous aussi. À chacun sa réponse, sans doute, comme celle du centurion sous la croix, « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Qui dites-vous que je suis ? Jésus ne nie pas, au contraire, il confirme la parole de Pierre, il est bien ce Christ, ce Messie. Mais il privilégie, pour en parler, la figure fragile du serviteur souffrant. Pour Pierre, c'est insupportable. Je l'ai dit, il y a trois annonces de la passion qui se succèdent dans l'Évangile selon Marc. Chacune est l'occasion de clarifier qui est Jésus, mais aussi comment on devient son disciple et peut-être encore plus comment on le reste. C'est aussi chaque fois l'occasion d'un malentendu, d'ailleurs. « Qui est le premier d'entre nous ?» demanderont les disciples lors des deux suivantes. « Celui qui veut être le premier, qu'il se fasse le dernier, le serviteur de tous, » répond Jésus, qui ajoute après la troisième, « car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » Ici aussi, l'enseignement de Jésus sur comment être disciple, comment suivre Jésus, se réfère à sa trajectoire, à la trajectoire du Christ. Être disciple, c'est porter sa croix et marcher à sa suite. Porter sa croix. Voilà donc une expression dont on se souvient et qu'on entend ou qu'on utilise, sans forcément la situer ni la comprendre dans son contexte évangélique. Porter sa croix, une expression qui a pu faire florès à certaines périodes ou dans certains contextes. On dit d'ailleurs de manière plus forte souvent, il faut porter sa croix. Mais est-ce bien ce que dit Jésus ? L'expression traditionnelle, il faut porter sa croix, laisse entendre, il me semble, que dans la souffrance, dans une situation subie, il faut se taire et supporter en silence.
Est-ce vraiment ce que dit le Christ? Permettez-moi d'en douter et même de me porter en faux contre cette idée, bien sûr. Il y a deux dérives là-dedans. Deux dérives possibles. La première serait de faire de la souffrance une voie de salut. Et Dieu sait que les églises ont succombé à cette dérive. Que la souffrance serait même nécessaire, qu'elle serait comme légitimée spirituellement. Et d'ailleurs, c'est entré dans notre langage. Il faut souffrir pour être belle. No pain, no gain, disent les Américains. La deuxième dérive possible, ça serait que cette phrase, porter sa croix, devienne non pas quelque chose que l'on dit pour soi, mais une injonction que l'on adresse à autrui, pour lui dire comment se comporter, pour lui dire de rester à sa place, de se taire, de ne pas revendiquer autre chose, par exemple. Méfions-nous quand le discours religieux devient un instrument de pouvoir. Peu avant ce texte que nous lisons ce matin, on trouve un récit de guérison. Un récit de guérison dans lequel Jésus, qui rencontre un sourd muet, Jésus lève les yeux au ciel et soupire. Il gémit. Devant la souffrance des hommes, Dieu commence par gémir et le Christ aussi. Il a mal, tout simplement. Je ne vois pas de ce fait comment on pourrait en venir à dire quelques lignes plus loin que la souffrance serait comme légitimée spirituellement. Non, en Dieu, en Christ, Dieu prend acte du mal. Il en souffre et il le combat sans relâche. Mais c'est dans la nature du combat qu'il prend l'adversaire à défaut. Précisément, le combat n'est pas celui que l'on imagine, celui que l'on fantasme peut-être lorsqu'on, reprenant une image de notre culture, parle d'un super-héros, le Christ, que l'on confesse la puissance de Dieu et celle du Christ. Le Fils de l'homme doit souffrir. C'est en prenant sur lui la fragilité humaine jusqu'au bout qu'il affronte le combat et qu'il le gagne. C'est aussi ce que disait la prophétie d'Ésaïe, celle du serviteur souffrant. L'enseignement de Jésus ne revient pas à dire qu'il faut porter sa croix dans la souffrance. D'abord, il ne s'adresse pas à quelqu'un qui souffre. Il s'adresse à quelqu'un qui désire le suivre. Il y a bien une invitation au renoncement, une forme de reniement si on entend le poids du mot qui est utilisé. Que faut-il renier? Évidemment, le lecteur, il entend que ça s'adresse à Pierre, celui qui précisément a renié. Plus tard, que faut-il renier? Peut-être le désir de toute puissance qui se niche si facilement dans le sentiment religieux et dans son expression. Renoncer à cela pour se mettre en route à la suite du Christ et adopter le même mouvement qui lui permet d'affronter le pire en s'en remettant en pleine confiance au Père. Alors je crois que porter sa croix, c'est tout le contraire du fatalisme et du renoncement. C'est aller au combat, mais sans prendre les armes de l'adversaire. C'est tout le contraire de se taire et de souffrir en silence. Porter sa croix, c'est au contraire se dresser, bouger, résister, mais avec les armes du Christ, avec une volonté de servir qui remplace le désir d'être le premier. Enfin, le renoncement auquel Christ invite aussi, celui en tout cas auquel il invite Pierre, c'est de renoncer à cette tentation bien plaisante de désigner ce que doit faire autrui.
de désigner la croix d'autrui, de savoir à sa place de ce qu'il doit faire, ce qu'il doit porter, se dresser en expert de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas faire. Porter sa croix, c'est accueillir chacun comme le porteur que je suis, le porteur que tu es, accueillir chaque homme, chaque femme, comme un compagnon, une compagne de route, à la suite du Christ, qui ensemble portent leur croix. Amen.